Il régale au sein de la ligne des trois quarts. Il reste fidèle à lui-même sur cette Coupe du Monde. Damien Penaud continue d'être un élément clé pour le 15 de France et un marqueur d'essai hors pair. Avec déjà 4 réalisations au compteur depuis le début du mondial, et en 2 rencontres disputées. Une belle moyenne, qui lui permet de se rapprocher petit à petit du record du plus grand nombre d'essais marqués pour le 15 de France 38, qui est actuellement détenu par Serge Blanco. Elle, insaisissable, Damien Penaud. Le talent de l'ailier de l'Union Bordeaux-Bègles impressionne toujours et encore, et même au niveau des anciens du 15 de France. Pierre Villepreux ne cache pas son admiration pour les qualités et la vision du jeu de l'ailier, comme on peut le lire dans le télégramme. Sa capacité d'anticiper le jeu est vraiment exceptionnelle. C'est pour ça qu'il semble vraiment insaisissable. Il a cette fluidité, à la fois dans la course et dans les appuis, qui fait que c'est un finisseur redoutable. Autre grande légende de l'équipe de France à être impressionnée par Damien Penaud, Philippe Sella. C'est un joueur qui aime bouger dans la ligne de trois quarts. Il porte le ballon tout en cherchant les bons espaces pour lui et pour ses coéquipiers. Ça lui permet de se retrouver dans des situations de création, de complément de joueurs où il n'est pas attendu. Physiquement, il faut être solide. Mais ça apporte des solutions supplémentaires, qu'il touche le ballon ou pas d'ailleurs. Damien Penaud est bien évidemment titulaire pour le match face à l'Italie. Quelques essais de sa part seraient les bienvenus, pour aller chercher la victoire d'abord, et pourquoi pas se rapprocher encore un peu plus du record.